rappelle juste où on en était. On avait parlé du problème de Monge, hein, avec un infimum intégral de C de x, T de x, mu de dx, mu 0 de dx, sous la contrainte mesure image de mu 0 par T est égal à mu 1. On avait parlé du problème de Kantorowicz, avec infimum intégral double de C de xy, pi de dx dy, sous la contrainte que quand on regarde les projections de pi, c'est mu 0 et mu 1. Bon. Et puis, on avait donné des interprétations, on avait parlé de la dualité, on avait parlé de fonction C convexe, et on avait bien expliqué que les deux problèmes se résolvaient en même temps et que trouver un transport optimal, c'était pareil que résoudre le problème dual et que en regardant si un plan de transport est supporté dans le sous-différentiel d'une fonction C convexe, on a un critère d'optimalité. Par rapport à tout ce qu'on a dit la dernière fois, il y a juste une chose qu'il faut que j'ajoute, c'est un cas particulier important. On avait vu un cas particulier important qui était le coût égal distance au carré. Il y a un autre cas particulier important, c'est le cas où le coût est égal à une distance, est égal à la distance. Bon. Alors, si on reprend les définitions, alors dire que phi est C convexe, c'est pareil que dire que phi est un Lipschitz, un Lipschitzienne. Et on s'aperçoit en outre que la transformée de phi, ben, c'est autre que phi. Et la dualité prend alors une forme plus simple. Minimum de l'intégrale double d de xy, pi de dx dy, où pi a pour marginal mu 0 et mu 1, est égal au suprémum pour phi en norme Lipschitz inférieur ou égal à 1 de intégrale de phi d mu 0 moins intégrale phi d mu 1. Voilà. Bon, et dernier commentaire là-dessus, à bien comprendre, le sous-différentiel dc psi, donc c'est l'ensemble, on se souvient, l'ensemble des xy tel que... Alors c'est psi de x plus c de xy est égal à phi de y, ou est égal ici à psi c de y. Là-dedans, on lit toute l'information. On donne l'information sur le transport. Ce sont les couples. Alors pour psi optimal, dans le problème dual, le transport optimal est de la forme AX, on associe Y. On lit
dans le sous-différentiel de la fonction optimale la façon dont la masse est transportée. L'ensemble de tous les couples x, y avec l'égalité ici. Dans le cas particulier de la fonction distance, où le coût est égal à la distance, ben, il y a une fonction, un Lipschitz, phi, et si on veut, le transport s'effectue le long de géodésique qui connecte des ensembles de niveaux de phi. Prenez votre fonction phi, la fonction optimale dans le problème dual. C'est une fonction 1 Lipschitz. Et puis ici, vous avez les endroits dans lesquels le transport peut s'effectuer. C'est des endroits tels que ici, vous avez x, y, et vous aurez exactement phi de y égale phi de x plus distance de x, y. Autrement dit, là, vous aurez l'égalité dans l'inégalité qui vous dit que c'est 1 Lipschitz. Et c'est seulement le long de ces lignes que le transport pourra s'effectuer. Alors, comme la fonction phi est 1 Lipschitz, évidemment, si cette inégalité est vérifiée ici entre x et y, alors nécessairement aussi à n'importe quel point intermédiaire. Vous aurez ici que phi de z sera égal à phi de x plus la distance de x à z. Phi de y égale phi de z plus distance de z à y. Autrement dit, le transport s'effectue le long de ces géodésiques. La masse qui est sur cette géodésique, elle y reste. Et si vous voulez, c'est comme si vous avez une... vous partitionnez l'espace, en gros, en un ensemble de géodésiques, le long desquels la fonction phi a une croissance linéaire dans le paramètre de la vitesse, et le transport s'effectue à chaque fois de manière restreinte à ces géodésiques. Et ça, c'est très particulier au cas où le coût est égal à la distance. C'est lié aussi au fait que quand le coût est égal à la distance, des trajectoires minimisantes dans le transport optimal ne peuvent jamais se croiser. On ne pourrait pas dire que c'est une fibration ondulée. C'est une fibration. Alors, il n'y a aucune régularité. D'habitude, quand on dit fibration, on impose un peu de régularité de quelque chose. Là, c'est vraiment juste une, a priori une décomposition mesurable, quoi. Mais moralement, c'est ça. Donc, dans ce cas, l'espace X est partitionné, je mets des guillemets, je vais dire pourquoi à l'instant, en géodésique, le long desquels le transport s'effectue et où phi croît linéairement en le paramètre d'interpolation, géodésique. Bon, et ça c'est lié à la propriété déjà remarquée par Monge. Pas de croisement des lignes de transport si le coût est égal à la distance. Bon, et je fais la remarque explicitement parce que ça jouera un rôle crucial plus tard dans le cours, quand
quand il s'agira de reparler de Lévi-Gromov. Qu'est-ce qu'on va dire enfin ? C'est pas mal. Et on va... Oui, pourquoi j'ai mis des guillemets aussi à partitionner ? Parce qu'il peut y avoir des... Il peut y avoir... J'ai mis des guillemets parce qu'il peut y avoir des problèmes aux points initiaux et points finaux. Pas vraiment une partition. Car il peut y avoir... car il peut y avoir intersection aux extrémités. Vous pouvez très bien avoir un truc comme ça. La masse part d'un coup ici, un coup là, mais sur un ensemble qui sera de mesure nulle et des choses comme ça. Non, en général, ça peut, ça peut mettre sur un ensemble de pas forcément de mesure nulle. Ça dépend du... Ça dépend des hypothèses sur la mesure mu0. On peut avoir des choses comme ça, ou on peut avoir des choses comme ça. Bon, mais c'est seulement au point de départ ou au point d'arrivée que quelque chose comme ça peut se produire. Quand on en aura besoin, on donnera un énoncé très précis, et ici, ça sera pas le, c'est pas le lieu de le faire. On en reparlera. Bon. Point suivant. On va se demander ce qui se passe dans un cadre régulier. Trois, si je dis pas de bêtises. Supposons que l'espace X est une... Alors, ben on va se mettre dans le cas où c'est une variété riemannienne lisse. Donc, cadre géométrique lisse classique. Et puis, on se donne C de XY un coup... régulier, pour l'instant en un sens qui n'est pas défini, peut-on préciser la structure du transport ? Et avoir des formules. À l'avertissement, les coûts intéressants ne sont presque jamais lisses. N'importe quelle variété riemannienne, vous avez envie de prendre le coût qui soit une fonction de la distance. Et la distance, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est extrêmement rarement une fonction lisse, même la distance au carré. Par exemple, même sur quelque chose d'aussi simple que le tore, et R sur Z, la distance au carré, si je prends C égale distance au carré, ben ça, et que je le trace, j'ai quelque chose comme ça. Avec ici, avec ici quelque chose qui, si je le regarde de près, fait ça. Autrement dit, une singularité qui pointe vers le haut. Singularité pointant vers le haut. Autrement dit, une fonction semi-concave. C'est-à-dire la somme d'une fonction lisse et d'une fonction concave. Bon. C'est pas étonnant que ça soit quelque chose de semi-concave, parce que la distance s'est définie par un inf, et quand on définit les trucs par des sups, ça a tendance à être genre convexe, quand on les définit par des infs, ça a tendance à être genre concave. Et ça, c'est pour dire que ça aurait pas de sens de supposer que le coup est lisse, ça nous interdirait tous les exemples intéressants.
En revanche, ça a un sens de supposer que le cou est semi-concave, parce que le cou, que ce soit la distance ou autre chose, on le définit traditionnellement par des infes. Oui, mais quand même, la distance, c'est quand même souvent convexe, quand même. Non, pas sur... Prendre un truc compact, c'est jamais... Ouais. Ouais, ouais. Quand tu es sur un truc infini, ça marche, ça peut marcher. Courbure... typiquement, tu vas prendre une courbure... courbure sectionnelle négative, un truc infini, variété de cartan Adamard, comme on dit, là, tu as une distance qui est lisse. Mais dès que tu es compact, tu perds ça. Alors, en revanche, donc semi-concave, c'est raisonnable. Une hypothèse plus faible serait Lipschitz. Et dans tous les cas, la distance, c'est quelque chose qui est lisse presque partout. Et les endroits où la distance cesse d'être lisse, ça correspond au lieu de coupure, le cut locus, comme on dit. Alors, donc fonction semi-concave. Et puis une remarque, donc. Si x est fixé, l'ensemble des y différents de x, telle que distance de x à y est non lisse en y, au voisinage de y, coïncide avec le lieu de coupure de x, le cut locus. Et c'est un ensemble de dimension inférieure ou égale à n-1, si je suis en dimension n. Mettons quelque part ici dimension n. Qu'on peut d'ailleurs voir comme un énoncé sur l'ensemble des points de non-différenciabilité d'une fonction semi-concave. Et ici, je suis en train de faire une petite faute de raisonnement dans ce que je dis, parce que ça s'appliquait qu'aux ensembles de non-différenciabilité, qui est le cut locus essentiel, comme on dit, pas le cut locus complet. On s'en fiche pour l'instant, on n'aura pas besoin. Alors, en gardant ça en tête, voici un énoncé général. Solution du problème de Monge. Alors, si petit 1, c de xy est partout surdifférenciable, surdifférenciable, partout je peux trouver un hyperplan qui touche le graphe par au-dessus, localement, et un surgradient en chaque point, quel que soit. Et donc partout surdifférenciable, alors ici c'est pour tout y fixé et comme fonction de x. Hein, vous fixez y. Et vous demandez que, vu comme fonction de x, soit toujours surdifférenciable. Et donc, surdifférenciable, ça va être, pour tout x, il existe p, un surgradient, c'est-à-dire, on va noter px, tel que f de x plus h inférieur ou égal à f de x, plus h pour du scalaire px, plus petit o de h, quand h tend vers 0. Et ça, c'est la définition d'une fonction surdifférenciable, définition de surdifférenciabilité.
Et là, j'ai mis un x plus h sans m'embarrasser parce que c'est juste local. Vous pouvez lire ça dans n'importe quelle carte. C'est indépendant du choix de la carte. Donc, première condition, c de xy est partout surdifférenciable et ça couvre les distances au carré et les choses comme ça. Deuxième condition, la plus cruciale, si c de xy vérifie. Alors, je ne sais pas quel est le mot français pour ça. Et de toute façon, l'habitude est d'utiliser le mot anglais, la condition de twist. Peut-être qu'il faudrait dire torsion ou quelque chose comme ça. En tout cas, condition de twist, c'est le vocabulaire que les gens connaissent bien, en particulier pour des coups qui viennent en théorie des systèmes dynamiques. Et la définition, c'est que gradient x, c de xy est injectif dans la variable y, dès que c'est défini. Très explicitement, si vous avez x et y prime tel que gradient xc de xy égale gradient xc de xy prime, ces deux vecteurs étant bien définis, alors y doit être égal à y prime. Deuxième condition, donc. Troisième condition, C a un peu de régularité. Et il y a plusieurs énoncés possibles selon ce que vous imposez comme régularité. Mais des hypothèses typiques, ça sera localement Lipschitz ou localement semi-concave. La quatrième condition, c'est mu0 n'est pas trop concentré. Par exemple, on va dire absolument continu. Et quelque part, il y a une correspondance entre ces deux hypothèses. Par exemple, si vous mettez localement Lipschitz, l'hypothèse d'absolue continuité, c'est celle qui ira bien. Si vous mettez localement semi-concave, vous pourrez vous autoriser une hypothèse plus générale que absolument continue. Ira bien avec localement Lipschitz. Et puis il y a une cinquième condition. Que je ne donnerai pas explicitement. Qui sert à contrôler ce qui est à l'infini. Donc, plus une hypothèse compliquée à l'infini. Dans mon livre, c'est ce que j'avais appelé H infini. Et l'hypothèse, pour les besoins de ce cours, il suffira de savoir qu'elle est toujours satisfaite quand le coût est égal à d carré. Mais que c'est vrai, c'est du sport pour le démontrer. Bon, quand toutes ces conditions sont remplies, alors le problème de Monge pour aller de mu0 à mu1 avec le coup C admet une solution unique. Alors, quand on dit unique, c'est quitte à le modifier sur un ensemble de mesures mu0 nul, la modification près sur un ensemble mu0 négligeable.
Et elle est caractérisée, cette solution, par l'équation gradient xc de x t de x plus gradient psi de x égale 0. Où psi est solution du problème de Kantorowicz dual. Et donc, c'est convexe. Et j'ai écrit ça comme ça, mais il faut le comprendre aussi que dès qu'on trouve psi c'est convexe, ah non, c'est pas vrai ce que je dis là, j'ai rien dit. Voilà. Donc, gradient xc de xt de x plus gradient psi de x égale 0, ou si on veut, t de x égale grad xc moins 1 de x moins grad psi de x. Où le moins 1, ça veut dire inverse dans le second argument. Bon, et donc c'est pas mal. Vous allez me dire, psi n'est pas explicite, mais quand même, ça réduit considérablement la complexité du problème, a priori. T, c'était une fonction de n dimensions dans n dimensions, tandis que psi, c'est une fonction de n dimensions dans R. On a ramené le problème à déterminer une fonction scalaire. Et cette fonction scalaire, on sait qu'il faut la chercher comme solution d'un problème qui est bien défini. Et on sait qu'elle vérifie certaines propriétés géométriques très particulières. Alors, ce théorème, ce résultat-là, on peut le voir comme un méta-résultat qui contient quasiment tous les théorèmes de résolution du problème de Monge qui ont été démontrés par divers auteurs selon les cas, c'est-à-dire le coût va changer. Les hypothèses sur la régularité, sur mu 0 vont changer, il y aura des variantes, mais la structure est toujours la même. Alors, quand on regarde maintenant, vous allez me dire, bon, il y a l'hypothèse à l'infini que je n'ai pas détaillée, mais elle sera toujours satisfaite quand c'est égal d carré, elle sera toujours satisfaite quand c'est compact, je vais mettre explicitement, ou x compact. L'hypothèse sur mu 0, c'est un truc qu'on vérifie comme ça, l'hypothèse sur c, on le vérifie. Le petit 3, le petit 1, mais l'hypothèse sur le petit 2, vous allez me dire, et comment on fait pour vérifier ça en pratique? Parce que ça semble être un truc, est-ce qu'il va falloir montrer à la main l'injectivité? Bon, la force de l'hypothèse petit 2, c'est qu'elle est vraie très souvent dans les cas intéressants, dès que C est défini par un problème variationnel. Et le méta-énoncé, si on veut, c'est... pas le méta, le vrai énoncé. Petit 2 est vrai dès que C de xy est défini par la solution d'un problème lagrangien f de l'intégrale de 0 à 1 de L de gamma de t gamma point de t t dt f sur tous les chemins gamma qui sont continu C1 par morceau appartenant à C de 0, 1 à X, C1 par morceau, est tel que gamma de 0 égale X, gamma de 1 égale Y, si on impose des conditions simples sur L, alors par exemple, de classe C2, uniformément convexe, en la variable gamma point, et telles que les courbes minimisantes de L, de ce Lagrangien, du Lagrangien L,
on va dire, vérifient, sont déterminés par gamma 0 et gamma 0 point. Le cas le plus célèbre, évidemment, et le plus important, c'est celui où L de gamma gamma point T est juste égal à gamma point carré. Et à ce moment-là, on est en train de regarder l'action classique et les courbes minimisantes. Sont les géodésiques à vitesse constante, autrement dit, gamma de t égale exponentielle partant de gamma 0, t gamma point 0. Je suis juste en train de dire qu'on part d'un point donné avec une vitesse qui est donnée. Dans ce cas, alors, pour que ce soit plus joli, je vais diviser par 2, si vous voulez, ce qui ne changera pas les courbes, mais ce qui rendra la formule plus jolie dans le grade xc inverse. On a grade xc moins 1 de xv est égal à exp x moins v. Et ça s'interprète avec la formule de la première variation en géométrie riemannienne qui vous permet de calculer des variations de la distance. Variations de la distance comme des produits scalaires entre le vecteur initial de la géodésique minimisante et le petit vecteur de la variation. Donc ça c'est un exemple, mais plus généralement, dès que votre coût il est défini par un infimum avec un lagrangien, que ce lagrangien il a de la convexité et que les courbes minimisantes vérifient une équation qui détermine le point final en fonction des conditions de départ, alors vous avez cette propriété de twist. Quel serait un contre-exemple? Alors, le contre-exemple, si je prends L de gamma, gamma point T égale juste gamma point, là, ça ne marche plus. D'abord, bon, il y a les questions d'uniforme convexité qui ne sont plus là. Mais quand vous regardez gamma point, c'est les géodésiques dont la vitesse peut être reparamétrisée. Là, il est évident que la position et la vitesse de départ ne vous disent pas où vous allez arriver. Parce que vous pouvez toujours ralentir ou accélérer comme bon vous semble. Et ça reste une courbe minimisante. L'avantage de gamma point carré, l'un des avantages, c'est que ça vous fixe la vitesse et donc vous savez exactement quel est le point d'arrivée à partir de la façon dont vous partez. Et quelles sont les idées de la preuve pour démontrer que cette condition-là implique 2 ? Formule de la première variation où on va on trouve à la main le surgradient. Je vais vérifier avant de te dire des bêtises. C'est dans ce très bon ouvrage là au chapitre 7. Non, au chapitre 10. Super twist, voilà. Voilà, petit 2. Ouais, formule de la première variation. Ouais. On montre explicitement, on a, disons, d'une part, par le fait que c'est défini comme un inf, disons, le 2, en fait, va impliquer aussi le 1 sous des bonnes hypothèses, disons. Avec les hypothèses que j'ai mises là,
non seulement 2 sera vrai, mais 1 sera vrai automatiquement. Et ça se comprend avec ma remarque de tout à l'heure que un inf, c'est facile de montrer qu'un inf est surdifférenciable. Un peu comme c'est facile de montrer qu'un sup est sous-différenciable. Et il suffit alors pour montrer calculer le gradient, il suffit de trouver un sous-gradient. Et le sous-gradient, on le trouve à la main en écrivant ce que c'est la formule de la première variation, c'est-à-dire je prends un chemin qui va de x à y, puis je fais une petite variation du chemin dans une direction, en interpolant si on veut, et je calcule la façon dont l'action a varié. Et on trouve, je vais vous donner la formule explicite du gradient. Ouais. En fait, la condition, elle va dire grade xc de xy plus grade vl de x gamma point 0, 0 égale 0. Ça, c'est l'équation qui vous permet de calculer le gradient du coup en fonction du gradient du lagrangien. Ici, V, ça veut dire, je veux dire, par rapport au deuxième argument. Et voilà, où gamma est la courbe minimisante qui joint X à Y. Courbe minimisante qui est unique en un point de différenciabilité de C. S'il y avait deux courbes minimisantes différentes, on aurait deux surgradients différents. Alors, je sais bien. Une petite idée de pourquoi ça marche. Et point de vue formel, la preuve est très facile. Ça demande du soin si on veut le justifier proprement. Mais l'idée, elle s'explique en trois lignes. Esquisse de preuve. Ben, on va commencer par regardons X et Y tel que T de X égale Y, hein, le transport. Bon. On se souvient du chapitre précédent sur la dualité. Si le trans T de X égale Y et que je prends psi solution du problème dual, eh ben j'aurai psi C de Y moins psi de X égale C de XY. Ça, c'est dire qu'on est dans le sous-différentiel. XY appartient à des ronds C psi. Bon. Et maintenant, je prends un autre Y qui n'est pas le bon. Et j'applique la relation maintenant psi C de Y tilde, disons, moins psi de X. Bah, lui, ça sera inférieur ou égal à C de XY. Pour Y tilde quelconque. Bon. Et maintenant, tout bêtement. Alors, pardon. C'est le contraire. C'est pas Y qu'il faut faire bouger, c'est X. Et ici, c'est X tilde, bien sûr. Bon, maintenant, je soustrais la première de la seconde, disons. Et je vais trouver que psi de x moins psi de x tilde est inférieur ou égal à c de x tilde y moins c de xy. Bon. Alors, psi, c'est convexe.
Et donc c'est défini par un suprémum de translaté de C, et ça va hériter certaines propriétés de différenciabilité de C. En gros, si je regarde les lieux des points où psi sera singulier, ça va être dicté par les lieux des points où C est singulier. Et par exemple, juste pour prendre un exemple simple, si C est Lipschitz, psi sera Lipschitz automatiquement, et donc différenciable presque partout, donc le lieu des points de non-différenciabilité sera de mesure nulle. Psi est presque partout différenciable, sous de bonnes hypothèses. Et le presque partout différenciable, ça va impliquer en particulier qu'il est mu 0 presque partout différenciable, pareil, sous de bonnes hypothèses. C'est pour ça que j'avais demandé que mu 0 ne soit pas trop concentré. L'important, c'est que mu 0 soit suffisamment étalé pour ne jamais voir les singularités des fonctions C convexes. De sorte que vu de mu 0, psi sera différenciable. Bon. Alors, on écrit, on prend un x où c'est différenciable, et on prend x tilde tout près de x. Bon, et alors, psi de x tilde est à peu près égal à psi de x plus gradient psi de x scalaire x tilde moins x. Bon, mais d'autre part, C, il est surdifférenciable. Donc, C de x tilde y est inférieur ou égal, ici inférieur ou égal, je veux dire qu'à une petite erreur près, c'est inférieur ou égal, à C de xy, plus un vecteur P qui sera un surgradient scalaire x tilde moins x. Bon, et cette identité ici, quand je reporte là-dedans, celle-ci vous montre que C de x tilde y moins C de xy est supérieur ou égal à une petite erreur près à grade psi de x scalaire x tilde moins x. Et peut-être que j'ai un problème de signe. Ouais, c'est ça. Bon, eh bien, ça veut dire quoi? Alors, je vais soustraire ici. Ça, c'est par hypothèse. Et ça, c'est comme conséquence de ceci. Donc ça, c'est un sous-gradient de cette fonction-là, de C de xy. Bon. Et ça, c'est un fait général. Si vous avez une fonction qui admet à la fois un surgradient et un sous-gradient, alors en ce point-là, elle est différenciable. Et il n'y a qu'un seul surgradient et qu'un seul sous-gradient, et c'est le gradient. C de xy, alors je vais écrire ça comme C de point y, est donc à la fois sur- et sous-différenciable. Et donc, elle est différenciable. Et le surgradient de xy est égal au sous-gradient de xy. Et c'est un singleton. Et c'est égal au gradient xc de xy.
Et comme j'ai un sous-gradient, ben c'est forcément le bon. Et donc, égal à moins gradient psi de x. Donc, je trouve grade xc de xy plus grade psi de x égale 0. Ce qui détermine y de manière unique, par hypothèse, grâce à la condition de twist. D'où grade xc de xy est égal à moins grade psi de x, et par la condition du twist, cela détermine y comme fonction de x et moins grade psi de x. Bon, et c'est bien parce qu'on a utilisé chaque hypothèse une fois et une seule. Tout s'arrange bien. On a utilisé on a commencé par résoudre le problème de Monge, problème de Kantorowicz, pardon. Et on a utilisé le fait qu'on avait les inégalités dans le bon sens pour montrer qu'il y avait, pour montrer que moins grade psi de x. Pardon, je vais refaire dans l'ordre. On a trouvé psi, solution du problème. On a dit que psi était un suprémum de translaté de C. On a déduit que psi avait une certaine régularité, un peu la même fonction que les fonctions convexes ont une régularité automatique. On a déduit que psi était différenciable presque partout, par exemple. Comme mu0 n'est pas trop concentré, psi est différenciable mu0 presque partout, et donc on se place en un x tel que c'est différenciable. On utilise alors la dualité de Kantorowicz pour en déduire que moins grade psi de x est un sous-gradient de c, vu comme fonction de x à y fixé. Mais alors, on utilise l'hypothèse 1 pour dire que, en plus, c'est surdifférenciable. On déduit que donc, c'est différenciable. Et une fois qu'on sait que c'est différenciable, on peut appliquer la condition de twist pour dire que c'est une fonction injective du second argument. Condition de twist, ça ne nous dit rien sur les endroits où ce n'est pas différenciable. C'est juste, c'est seulement quand c'est là où c'est différenciable que ça vous dit quelque chose. Ouais. Hypothèse 5, Hypothèse 5, c'est un bazar à l'infini. C'est essentiellement pour montrer que quand on fait un inf de translaté hein, de C de XY, quand Y tend vers l'infini, il pourrait qu'il n'y ait pas d'uniformité parce que les fonctions se mettraient à faire des trucs de plus en plus pourris à l'infini. Et donc, quand on veut, l'hypothèse 5, elle intervient quand on veut montrer, quand on veut contrôler la régularité des fonctions C convexes. Et c'est un vrai bazar à écrire. Un vrai, vrai bazar. OK. Ouais. Est-ce qu'on peut toujours trouver un Lagrangien? Est-ce que la condition twist ou du... Alors, non. J'ai défini un Hamiltonien. Et est-ce que ça permet de saturer les... C'est pas. Non, c'est ni. Il y a des trucs qui vérifient une condition de twist sans que ça vienne d'un Lagrangien. Et il y a. Quand le truc. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est quand le truc vérifie un twist, est-ce qu'on peut toujours trouver un Lagrangien artificiel? Ça, je sais pas. Ils appellent ça twist parce que c'était une condition utilisée par Moser dans l'étude des twist diffeomorphisms, ou je ne sais pas quoi, diffeomorphisme de l'anneau. Et c'est le genre de choses qui. C'est le genre de condition qui intervient régulièrement. Dans des. Disons, historiquement, au début, c'était utilisé sans référence au Lagrangien, si je ne dis pas de bêtises, pour des applications simples, genre des trucs en dimension 1, 1 plus 1, position plus vitesse. Et, avec des résultats du genre trouver des trajectoires fermées qui vérifient telle ou telle chose. Et quand Mather a voulu généraliser ça en plusieurs dimensions, dans les début des années 90, il a dit, évidemment, c'est trop ambitieux de chercher des trajectoires fermées qui vérifient ci et ça.
mais on peut chercher des mesures invariantes qui soient supportées par des ensembles de dimension n, par exemple, ou 2n. Et on va les chercher sous la forme lagrangienne. Et ça, ça impliquait automatiquement un coup de formule de la première variation qui avait une bonne, qui avait cette condition de twist. Ouais. Il y a un livre de référence sur tout ce genre de trucs, c'est le livre de Fatih, qui est un peu dense, et dans lequel on parle en long et en large de ce genre de choses. C'est Cambridge, je crois. Cambridge ou Oxford, l'un des deux. OK. Alors, on va expliciter, on va faire donner les deux exemples les plus importants. Bon, exemple, c de xy égale d de xy carré sur 2. Alors, l'équation est radix c et t de x est égal à exponentielle x grade psi de x pour psi c convexe. Je pars du point x, je me lance dans la direction grade psi de x et je me balade pendant un temps t égale 1, je m'arrête au temps t égale 1. Et c'est exactement ça. Deuxième exemple, alors un cas particulier du précédent exemple, si je me prends l'euclidien dans x... Dans Rn, l'équation est la même chose, sauf que l'exponentielle dans Rn, c'est toute simple, c'est juste l'addition, est égale à x plus grade psi de x, où psi est c'est convexe. Reste à comprendre ce que veut dire c'est convexe. Et on montre facilement que dans Rn, psi c convexe, alors d carré sur 2 convexe, disons, est équivalent à dire que psi plus x carré sur 2 est convexe. Bon, et donc on retrouve alors le cas qui est venu historiquement le premier, t de x égale gradient grand psi de x, où grand psi est convexe au sens usuel. Un théorème qu'on va appeler de Brunier-Ruschendorff. Et évidemment, c'est celui qui est venu en premier et fallu un certain temps avant que de comprendre que c'était de manière déguisée le cas général, de le cas particulier de la formule avec l'exponentielle. Donc, dans le cas de Rn, on a tout compris, là. Gradient de fonction convexe, ça nous parle. Dans le cas de la variété riemannienne, on n'a pas tout compris, parce que c convexe, ça reste quand même une fonction, ça reste quand même défini de manière un peu bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur les fonctions d2 carré sur 2 convexe sur une variété ? Peut dire de une fonction
d2 carré sur 2 convexe sur une variété. Donc je vous rappelle que ça veut dire que psi de x s'écrit comme un suprémum sur y de zeta de y moins distance de xy carré sur 2 pour un certain zeta. Peu importe quel est ce zeta. Donc c'est un suprémum de fonctions comme ça. Là, je représente comme ça une distance xy carré centrée en y. Là, j'en ai une autre. Là, j'en ai une autre. Là, encore une autre. Bon. Par exemple, je peux prendre juste une fonction y. Je peux juste me contenter de ces quatre valeurs de y. Et ça me fait une fonction C convexe. Ou je peux en prendre juste deux. Les plus simples des fonctions d2 carré sur 2 convexe, ça sera un truc comme ça. Après, un peu plus compliqué, il y aura le suprémum de deux fonctions comme ça. Ça fait une sorte de colline. Encore plus compliqué, il y a ça. Et puis, vous pouvez vous demander, après, ça peut être un peu n'importe quoi. Alors, est-ce que ça peut être un peu n'importe quoi? Là, c'est une question très délicate. Et en général, par exemple, quand je regarde les fonctions C convexe, il se peut qu'il y ait des limitations sur les fonctions que je peux obtenir comme ça, qui ne seront pas du tout évidentes au départ, et ça dépend de questions subtiles de régularité. Alors pour l'instant, on va juste se contenter de deux remarques. Bon, d'abord, elle est évidente, mais il faut le rappeler, c'est automatiquement semi-convexe. C'est-à-dire, dans n'importe quelle carte, localement, ça sera convexe plus lisse. Donc, localement, c'est la même régularité exactement qu'une fonction convexe. C'est que l'allure globale qui peut être compliquée. Et la deuxième remarque est que vous pouvez montrer que si psi est... à support dans un compact K et assez petite en norme C2, alors elle est d carré sur 2 convexe. Bon. Toute petite fonction est d carré sur 2 convexe. Et ça, c'est intéressant. C'est même fondamental, parce que ça dit qu'avec des fonctions d carré sur 2 convexes, si vous voulez, on peut aller dans n'importe quelle direction localement. Quand on se demandera quels sont les transports optimaux possibles, et est-ce que je peux être sûr que telle fonction correspond à un transport optimal, je sais qu'au moins, si je la prends petite, quelle que soit sa tête, son allure, elle sera optimale. Je peux toujours choisir une mesure mu0, une mesure mu1, tel que le transport associé soit un transport optimal, parce que ça sera d carré sur 2 convexe. Oui. Je ne vois pas pourquoi en fait le fait que psi est plus x carré sur 2 convexe implique le fait qu'il existe mu 0 mu 1 tel que ce soit un transport optimal. Je ne vois pas comment ça implique. C'est peut-être trivial. Mais... Alors, tu te souviens de ce qu'on avait dit? Sur l'optimalité, quand j'ai une... Alors, regardons... partons de ma fonction psi, OK? La fonction psi, elle vient avec un gamma qui est le sous-différentiel. Bon. Maintenant, je prends une mesure mu0 quelconque. Et alors, imaginons, ici je vais tricher, mais imaginons que le sous-différentiel soit constitué de, pour chaque x, il y a un seul y. Ce qui, même,
prenons ψ qui est différenciable presque partout, prenons mu0 qui est absolument continu. Alors mu0 presque partout, pour chaque x, il y a un seul y. Donc je vais avoir une application mesurable qui est x associée à y. Bon. Et je définis mu1 comme étant juste la mesure image de mu0 par cette application t qui a x associé y. Et là, par construction, le transport qui est associé à t, il a son support qui est inclus dans le sous-différentiel. Pour ça, tu vois, c'est le truc qu'on avait dit la dernière fois, dès qu'on a saturation du côté dual, on sait qu'on est optimal du côté primal. Alors, où en sommes-nous ? Eh bien, c'est pas mal. Alors, que dire maintenant de la régularité ? Régularité du transport. Bon, alors, ça dépend de la régularité de la solution d'une DP de type Monge-Ampère. Pourquoi une DP de type Monge-Ampère ? Ben, le transport optimal, avec le théorème qu'on vient de dire, il ramène le problème de trouver l'application t au problème de trouver l'application ψ, qui est une fonction à valeur réelle. Et je peux écrire l'équation jacobienne qui me donnera le transport. Je l'écris, alors l'application jacobienne, d'habitude, c'est dette dt de x est égale à, ici je vais l'écrire, rho 0 de x sur rho 1 de t de x, le quotient des densités, avec éventuellement les subtilités, s'il y a lieu, sur le fait que on ne travaille pas forcément avec les mesures volume ou qui sait quoi, mais supposons qu'ici soit les densités par rapport à la mesure volume. Hein, mesure de Lebesgue dans Rn, tout ça. Et maintenant que je sais quelle est la tête de T, hein, T c'était moins grad xc de x moins grad psi de x, eh ben, je vais écrire le déterminant jacobien de t en fonction de ça. Bon. Alors, quand on dérive t, on va se retrouver à dériver ça. Et évidemment, il va y avoir la dérivée de c qui va jouer et aussi la dérivée de psi. Problème de type dérivée des fonctions composées. Et on aura un terme qui fera intervenir que c, si on veut, quelque chose qui parle de la géométrie, et un terme qui, lui, fera intervenir psi et c mélangé. Alors, quand on écrit le truc proprement, on trouve ça. Déterminant essienne de psi plus grad x plus essienne par rapport à x de x. Si vous voulez, je vais vous l'écrire seulement pour le distance carré. Ça m'évitera de mettre des moins 1 partout, et là j'aurai les exponentielles. Donc par exemple, pour c égale d carré sur 2. Voilà. Et est égal à rho 0 de x divisé par rho 1 de exponentielle x grade psi de x, et puis multiplié par dette grade xy c de x exponentielle grade psi. Hop, ici comme ça. Et juste ici, c'est un moins 1. OK. C'est un moins 1, non, parce que c'était grad xc moins 1, donc non, c'est comme ça. Alors, je vérifie quand même. On regarde cette équation-là et on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire.
C'est vraiment du Monge Ampère au sens où c'est déterminant de Essienne Psi et puis des termes. Et tous les autres termes, ils sont d'ordre inférieur en Psi. Ordre 1, ordre 1, ordre 1. Donc quand on regarde les termes de plus haut degré, ça, c'est à gauche, là, et juste la partie en déterminant Essienne de Psi. Maintenant, les équations de Monge Ampère, elles sont beaucoup plus traîtres que les équations quasi-linéaires ou semi-linéaires, et ce sont des équations dans lesquelles les termes d'ordre 1 peuvent influer gravement sur la régularité de la solution. Et c'est seulement sous des hypothèses très contraignantes sur C qu'on sait qu'il y a une solution régulière à ça. Et donc, oui, c'est bon, l'équation était bonne. Et le seul résultat abouti qui marche bien, c'est le résultat de non-régularité, qui dit qu'en général, la solution n'est pas lisse. Et c'est toute une affaire, ça serait tout un cours de comprendre pourquoi exactement. On ne va pas se lancer là-dedans, mais juste énoncer. Donc, théorème de non-régularité de Lepère. Alors, soit M, une variété riemannienne, telle qu'il existe au moins un X, et il existe au moins un plan P inclus dans TXM, tel que la courbure sectionnelle du plan P en X soit négative. Donc il suffit qu'il y ait quelque part un plan dans lequel la courbure est négative, alors il existe des densités ρ0, ρ1, c'est infini, strictement positive, sur M, tel que le transport optimal T qui va de ρ0 fois volume à ρ1 volume si on veut, avec coût C égale distance carrée et discontinu. Hein, T n'appartient pas à C de MM. Bon, donc, aucun espoir en un certain sens. T n'appartient pas à grade psi de MM. Et la fonction psi sera non différenciable, la fonction psi optimale. Bon. Alors, psi, c'est une fonction semi-convexe, donc on sait qu'elle est différenciable en dehors d'un ensemble de dimension n-1, blabla, mais elle sera jamais mieux que ça, vous ne pourrez jamais garantir que psi sera C1. Autrement dit, le programme, si on veut développer un programme géométrique basé sur le transport optimal, on ne peut pas supposer qu'on travaille avec des fonctions lisses. On ne peut pas non plus régulariser. En général, les fonctions C convexes lisses ne sont pas denses dans l'ensemble des fonctions C convexes. Fonctions convexes, on se dit toujours qu'on peut la régulariser. Et à coup de fonctions convexes lisses, je peux approcher des fonctions convexes non lisses. Dans le monde C convexe, ce n'est pas vrai. Et en général, la clôture des fonctions C convexes lisses ne coïncident pas avec l'ensemble des fonctions C convexes. Et qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Donc vous voyez que dès qu'il y a une courbure négative quelque part, il n'y a pas de régularité. Alors on pouvait encore espérer, pour ceux qui tenaient à la régularité, que
sur une, quand toute la, toutes les courbures sont positives, il y aurait régularité. Et cela est faux aussi. Et le résultat le plus négatif, si l'on veut, en la matière, donc un autre résultat négatif, résultat de Figali, Rifort et moi-même. Sur un... Alors, comment on va présenter ça? Oui, on peut... Il existe des ellipsoïdes sur lesquels la même conclusion est vraie. C'est-à-dire, il existe ρ0, ρ1, etc., tel que le transport optimal soit discontinu. Donc, ellipsoïde, vous ne pouvez pas faire plus... Oui, là, pour le coup, c'est sûr. Vous ne pouvez pas faire plus régulier que ça. En fait, dès que l'ellipsoïde, quand vous le regardez, quand l'ellipsoïde est un petit peu déformé par rapport à une sphère, ça va encore, mais dès qu'il est un peu trop allongé, vous n'avez plus de régularité. Et ça vous montre aussi que transport optimal, c'est subtil. La forme a vraiment son importance, en tout cas par rapport à la régularité. Et bon, un géomètre a l'habitude de considérer que tous les ellipsoïdes sont égaux. Du point de vue de la régularité du transport optimal, ce n'est pas vrai. Selon que l'ellipsoïde est sphérique ou allongé, la régularité sera complètement différente. Alors, il est vrai qu'il y a régularité sur la sphère, et disons qu'on peut régulariser sur la sphère, qu'on peut approcher les fonctions C convexes par des fonctions C convexes lisses, etc. Mais c'est très très fragile, c'est lié au fait que c'est vraiment la sphère. Et ça s'explique, la sphère ? Ouais. Alors, oui, mais ça serait toute une histoire. Alors, je vais juste faire un petit dessin. Bon, on sera très en retard, mais c'est pas grave. On verra si on peut rajouter une séance. Alors, ça, c'est pas l'argument qui est dans l'article de Lepère, mais c'est une façon de comprendre ce qui se passe, qui est très simple. Idée de pourquoi la régularité échoue quand vous avez une courbure négative. Donc, juste une idée. Bon. Courbure négative, c'est quoi l'exemple typique? C'est une selle de cheval. Okay. Bon. Alors, on va dessiner la selle de cheval. Et je vais faire un truc qui semblera une énormité. Je vais la dessiner, la selle de cheval, plongée et vue par au-dessus. Donc, quelque chose comme ça, disons. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ben, imaginez que le cheval, il est là, là il y a la queue, là. Et puis devant, là il y a sa tête, là, voilà, avec sa crinière. Et donc vous voyez le truc par au-dessus, et puis on va supposer qu'il y a des axes de symétrie, que tout est bien, et que vu dessus, là vous avez des trucs qui déterminent les lignes. Ça c'est la ligne qui est courbée comme ceci, tac, tac. Et celle-ci c'est celle qui est courbée comme ça. Donc vous êtes dessus, là il y a les jambes qui passent comme ça, et là ça revient par ici, par devant et par derrière pour vous soutenir. Bon. Et maintenant on va tout près de ce point-là, qui est de courbure négative, considérer une densité qui est très concentrée sur deux petits points, là, comme ça. Vous imaginez, là il y a un pic, là il y a un autre pic, tout est lisse, mais l'essentiel de la masse est là-dedans et là-dedans. Et ça, c'est mon mu0. Et maintenant, mon mu1, je vais le mettre là. Ici et ici. Donc mu1, mu0. Disons le gros de la masse. Bon, et puis, mais c'est les densités qui sont infinies partout, positives et tout ce qu'on veut. OK ? Bon. Et maintenant, je vais regarder ce qui se passe quand je fais le transport. Comme il y a le gros de la masse, mettons qu'il y a plus les trois quarts de la masse qui sont ici dans les trucs bleus, plus les trois quarts de la masse qui sont dans les trucs rouges, fatalement, il va y avoir une partie de la masse qui va d'un rouge à un bleu, au lieu d'aller se perdre quelque part là-bas.
Donc quelque part, mettons, il y a ça. Au moins un point qui va là, qui va d'ici à ici. Bon. Et maintenant, supposez aussi que tout est symétrique, hein, que mes densités, elles sont symétriques par rapport aux axes. Il y a ces deux axes de symétrie. Et le transport optimal, on sait qu'il est unique. Ça faisait partie du théorème précédent. Il est terminé par l'équation, blabla. Transport optimal est unique, donc il préserve les symétries. Donc si je regarde le centre qui est là, ben, il ne bouge pas, il reste fixé dans le transport. Bon, et maintenant je regarde ce que j'ai fait. Là j'ai O, là je vais appeler A, là je vais appeler B. Et je sais qu'il y a de la masse qui va de A vers B et que O reste fixé. Bon. Et maintenant je vais appliquer la relation de monotonie. Monotonie cyclique, eh ben, qui me dit que donc monotonie, distance de O à O carré, plus distance de A à B carré, est inférieure ou égale à distance de O à A carré, plus distance de B à O ou de O à B carré, si vous voulez. Je suis juste en train de dire que comme c'est optimal, c'est mieux de faire ce transport-là et celui-là que de faire ce transport-là et celui-là. Et c'est juste, j'applique la relation de monotonie cyclique dans le cas très simple où il n'y a que deux coupes. Ça devient d'ailleurs une monotonie classique. Bon. Maintenant, regardez ça. Distance de O à O carré, évidemment, c'est égal à zéro. Et là, je suis en train de dire que la diagonale au carré par rapport à la somme des carrés des côtés, elle est plus petite. Mais ça, c'est impossible en courbure négative. Courbure négative, le théorème de Pythagore devient une inégalité, et la diagonale, elle est trop grande, courbure négative. Donc ça, ça contredit la courbure négative. Parce qu'il y a un angle, droit ici, et donc voilà quoi. Alors, si on réfléchit vraiment à ce que prouve ce raisonnement, parce que là j'ai l'impression que j'ai arrivé à une contradiction, c'est que je n'ai pas le droit de décrire que le centre reste fixé, c'est un événement de mesure nulle. Ce que ça dit en fait, c'est qu'il y a une discontinuité au centre de symétrie. Donc ça c'est l'idée si on veut. Et avec ça, ça capture bien cette idée de la courbure négative. Alors le théorème de régularité de Lepère, là c'est ce que j'ai mis, c'est la version qui nous intéresse directement pour des questions géométriques. Mais en fait le théorème est beaucoup plus précis que ça. Il vous donne une condition géométrique sur la variété qui vous dit quand est-ce qu'on peut et quand est-ce qu'on ne peut pas avoir la régularité. Et la condition... simplement, ici, j'ai pris la façon la plus simple de vérifier que la condition de Lepère est violée. Il y a plein d'autres façons. Et nous, ce qu'on fait dans cet article-là, c'est de montrer que la condition de Lepère est violée même pour des ellipsoïdes allongés. Alors, ça nous dit aussi quelque chose. Le... transport optimal n'aime pas la courbure négative. Et c'est toute une affaire pour beaucoup de géomètres qui aiment bien la courbure négative. Et sur les 1000 pages de ce bouquin, je crois qu'il n'y a pas un seul endroit où la courbure négative aide. Donc ça c'est pour la régularité et non-régularité. Est-ce qu'il y a des questions ? On va bientôt devoir faire une petite pause, peut-être. Oui. Ouais, c'est un bon moment pour faire une petite pause. Des questions ? La condition de régularité, est-ce que la courbure est pincée, par exemple ? Non, c'est une,
La condition, elle fait intervenir le quatrième ordre par rapport à la métrique, pas le second ordre. C'est une condition qui fait intervenir des dérivés d'ordre 2, 3 et 4 du coût de transport et qui peut s'interpréter. Alors, en revanche, voilà comment elle peut s'interpréter. Tu regardes cette réinterprétation due à McCann et Kim, ici présents. Tu regardes M croix M. Et M croix M, tu mets dessus une pseudométrique. Une pseudométrique qui est donnée par la dérivée croisée seconde en xy de la distance au carré. Hein? Distance en x, distance en y. Par construction, c'est toujours une métrique NN, signature NN. Ce n'est pas une métrique riemannienne. Elle n'est pas définie positive, mais sur les deux n directions, il y en a n positive et n négative. Il y a quand même des formules pour calculer les courbures sectionnelles de ces bestiaux-là. Il faut éviter certaines normalisations et trucs comme ça. Et maintenant, la condition, c'est que la courbure sectionnelle de ce bestiaux-là soit positive dans certaines directions ou dans toutes les directions, je ne sais plus. Mais ça s'interprète comme une condition, vous pouvez entrer, comme une condition sur la courbure sectionnelle de cette variété pseudo-riemannienne de dimension 2n, signature nn. OK. Alors, si on résume dans un cadre régulier, il y a des conditions sur lesquelles, dans lesquelles on peut avoir quelque chose qui ressemble à une formule pour le transport optimal, en particulier où tout est déterminé par une seule fonction, une fonction c convexe. Et d'autre part, il y a une absence en général de régularité qui fait que même si on a ces formules-là, on ne peut pas supposer que les fonctions sont différenciables ou même que le transport est continu. La dernière chose qu'on va rappeler sur le transport optimal, ce sont les distances de transport et interpolation. Je n'en ai pas parlé, ça, n'est-ce pas? Non. Et interpolation par transport. Alors, définition. Sur grand P, P de X, qui est par définition l'ensemble des mesures de probabilité sur X, telles que intégrale de distance de X0 à X, puissance P mu de dx est finie. On définit WP de mu 0 mu 1 égale le coût de transport, donc minimum intégral de distance de xy puissance p pi dx dy parmi tous les pi qui relient mu 0 à mu 1 à la puissance 1 sur p. Bon, et on peut le définir, alors avec cette définition-là, il faut se limiter à P compris entre 1 et infini strict. On peut prendre d'autres valeurs de P, mais si vous tombez en dessous de P égale 1, il ne faut pas mettre la puissance 1 sur P ici, et puis on l'utilise très rarement. Donc c'est ça qui nous intéresse, surtout le cas P égale 1 et P égale 2, qui sont les deux plus importants de loin. Et ceci hérite des propriétés de l'espace métrique XD. Donc si XD est un espace métrique, polonais, hein, donc séparable complet, alors PP de X munit la distance WP aussi.
il est métrique, il est séparable, il est complet. Et si XD est un espace géodésique, alors PP de X est aussi un espace géodésique, WP aussi. Petit rappel sur ce que c'est qu'un espace métrique géodésique. Alors, rappel. Bon, en espace métrique, on sait ce que c'est. Séparable, ça veut dire qu'il existe une suite dense. Complet, suite de Cauchy converge. Bon, ça, on n'a pas de souci. Qu'est-ce que ça veut dire géodésique? Alors, pour comprendre ça, on commence par définir la longueur d'un chemin. Et mettons que ce soit une application Lipschitz qui va de 0,1 dans X. Je peux le définir de deux façons différentes qui sont équivalentes. Première définition possible, intégrale de 0 à 1 de lim sup quand epsilon tend vers 0 de distance de gamma de t à gamma de t plus epsilon divisé par epsilon. Et j'intègre ça en t. Ça, c'est une première définition possible. La limsup sera définie presque partout du fait que gamma est Lipschitz. Et ce truc-là, on le note souvent, gamma pointé, c'est la vitesse. Bon, vitesse vue dans l'espace métrique. Et la deuxième définition possible, c'est le dire que c'est le sup sur toutes les façons de prendre de diviser en n temps, donc sup sur n et sup sur toutes les subdivisions, 0 égale t0, plus petit que t1, plus petit que etc., plus petit que tn qui vaut 1, des sommes pour i allant de 0 à n-1, des distances de gamma de ti à gamma de ti plus 1. Et vous voyez, la deuxième notion est très intuitive. Il s'agit de couper en petits morceaux et d'approcher la longueur du chemin par la somme des distances entre deux points successifs. Bon. Et une géodésique, c'est un chemin tel que la longueur est égale à la distance entre ses extrémités. D'abord, on a toujours distance de gamma 0, gamma 1 inférieure ou égale à la longueur de gamma. Et si l'égalité est atteinte, gamma est dit géodésique. Et alors, on a par construction, quel que soit gamma tilde, distance de gamma 0, gamma 1 inférieure ou égale à la longueur de gamma tilde, si gamma tilde de 0 égale gamma 0 et gamma tilde de 1 égale gamma 1. Autrement dit, on a effectivement à ce moment-là qu'une géodésique est un chemin qui minimise la distance entre ses points extrémités. Et on dit qu'un espace, on dit que X est un espace géodésique si, quel que soit X et quel que soit Y, il existe une géodésique
reliant x à y. Bon. Et voilà. Et donc, on peut montrer que si l'espace xd est géodésique, alors l'espace de Wasserstein, comme on l'appelle souvent, WP, pour la métrique WP, est géodésique aussi. Bon. Et je ne vais pas développer, mais ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général. Si vous avez une notion d'action, un peu comme tout à l'heure, intégrale de L de gamma, gamma pointé sur votre espace, alors vous pouvez relever ça en une notion d'action sur l'espace des mesures de probabilité. Et il y a tout plein de formules qui vont avec. Et ces questions-là, savoir quand est-ce que... Donc, voyez, important aussi, on a alors distance de x à y est égale au minimum des longueurs des chemins gamma pour gamma de 0 égale x, gamma de 1 égale y. Donc, j'ai commencé en définissant la longueur et à partir de la distance. Mais après, on peut reconstituer la distance à partir de la longueur. Les deux viennent l'un avec l'autre. Et c'est quand vous avez, de manière générale, un coût qui vient d'un lagrangien et que à la fois vous pouvez décrire le lagrangien comme le sub des sommes de tous les coûts pour aller d'un temps à un temps qui vient juste après, ou que vous pouvez décrire le coût comme l'inverse de toutes les intégrales lagrangiennes des chemins qui vont de l'un à l'autre, vous pouvez faire la même chose, ce transfert de propriété. Une référence sur la géométrie métrique, c'est la référence incontestée, c'est le Burago-Ivanov, dans lequel, en long et en large, on regarde... donne des conditions sur lesquelles les espaces sont des géodésiques et des choses comme ça. Il y a un analogue abstrait, enfin général, du théorème classique qui dit que dans une variété riemannienne, étant donné deux points, je peux toujours trouver une géodésique minimisante qui les relie. Et en gros, dès qu'on a de la compacité locale, un théorème similaire va être vrai dans un cadre général. Donc, et dès qu'on a cette propriété, une propriété, disons, que la distance est définie par un inf des longueurs. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? On va dire que, donc ça je ne vais pas le démontrer, je vais juste dire quelle tête elle a la géodésique, parce qu'elle est, simple, définir est très simple. Et même on va expliquer, on va donner un théorème qui vous donne la structure des géodésiques. Bon, il sera commode de considérer P égale 2. Et pareil, ça a l'avantage de normaliser la vitesse des géodésiques, alors que P égale 1, ça ne normalise pas. Bon, et voici un théorème. Muter pour T compris entre 0 et 1 est une géodésique dans P2 de X si et seulement si il existe grand pi, une mesure de probabilité sur l'espace des géodésiques. Donc ça c'est les géodésiques de X à vitesse constante. Tel que
Premièrement, quand je regarde E0, E1, mesure image grand pi, j'obtiens petit pi un couplage optimal, un couplage optimal de mu0 et mu1. Et deuxièmement, ET mesure image grand pi est égal à mu t. Ou ici, par définition, ET de gamma est égal à gamma t. Juste l'application d'évaluation. Donc, ce grand pi, c'est une mesure de probabilité sur les géodésiques. Ça sélectionne des géodésiques et ça leur applique une. Et ça leur donne un poids. Si vous gardez de cette information sur les géodésiques que l'information des points extrémaux, point de départ, point de finale, vous revenez à le transport optimal, le cadre classique qu'on a vu jusqu'ici. Mais si, au lieu de ça, vous regardez que ce qui se passe au temps intermédiaire en t, vous obtenez une mesure sur x qui dépend de t, et cette mesure sera la géodésique. Donc, le grand pi, il est au-dessus de tout, si vous voulez, et à la fois, il vous permet à la fois de reconstruire la géodésique, le chemin qui va de l'un à l'autre, et de reconstruire le couplage, la façon d'apparier point de départ et point d'arrivée. Dans cet énoncé, il y a un sens qui est très facile quand on le prend bien. C'est si je prends un truc comme ça, alors c'est une géodésique. Il y a un sens qui demande du travail, c'est si je prends une géodésique, alors il existe une mesure de probabilité. Et je vais juste expliquer comment on fait ce sens-là. De sens. Donc, idée. Alors d'abord, si grand pi vérifie les hypothèses, ben, je vais regarder l'application qui a gamma de S associe gamma de T définit un couplage. Entre μs et μt. Bon. Je prends les particules telle qu'elle est au temps s et je la bouge vers la position qu'elle occupe au temps t. Et ça me transforme μs en μt. Et je regarde la distance entre gamma de s et gamma de t. Si gamma est une géodésique, ça va être égal à t-s fois la distance entre gamma de 0 et gamma de 1. Gamma géodésique. Donc quand je regarde l'intégrale double de c de x, y, et puis ce que je vais appeler pi st, mettons que ce soit pi st, ce couplage, de dx, dy, ça sera égal à l'intégrale double de distance de gamma de s, gamma de t carré, pi de d gamma. Et donc égal à s moins t carré, l'intégrale double de distance de gamma de 0 à gamma de 1 carré, pi de d gamma. Mais par hypothèse, ça, ce dernier truc, c'est égal à. La même chose avec le couplage optimal. Distance de xy carré, pi de dx, dy. Et comme il est optimal, donc ça me fait s moins t carré fois la distance au carré de mu0 à mu1. Bon. Donc là, je suis en train de dire
que W de mu s à mu t est inférieur ou égal à s moins t fois W2 de mu 0 à mu 1. Bon, et après, toutes ces formules-là, vous voyez, elles s'ajoutent. Quand je vais les regarder sur des petits intervalles de temps, je vais toutes les ajouter. Et ici, ça sera quelque chose de linéaire en temps, donc ça va tout s'ajouter aussi. Et sachant ça, la seule solution, si vous voulez, c'est que j'ai affaire à une géodésique. Cela implique que... mu s est une géodésique. Hein, si vous voulez, alors comment... Oui, parce que regardez là, je vais prendre une définition, je regarde W2 de mu s mu t, je divise par s moins t, c'est toujours inférieur ou égal à W2 de mu 0 mu 1. Quand j'intègre, quand je prends la limite, quand t tend vers s, eh bien, pareil. Et puis après, quand j'intègre ça, alors ici, mettons que ce soit S tend vers T, et j'intègre ça par rapport au temps, pareil. Donc la longueur du chemin muté est inférieure ou égale à W2 de mu 0 mu 1. L'inégalité inverse est toujours vraie. Et donc là, forcément, mon chemin, il est minimisant. Bon. Donc là, c'est quasiment juste écrire les, dérouler les définitions, une fois qu'on a fait cette remarque. La limite inférieure égale à W2 mu 0 mu 1, donc chemin minimisant. Alors l'autre sens est plus délicat. A priori, votre géodésique, vous ne savez rien dessus. Vous avez juste le chemin. Donc il va falloir reconstituer. Il n'y a pas de couplage, quoi. Donc il va falloir reconstituer un couplage. Alors, maintenant, si mu t est une géodésique, bon. Ben, que faire ? Premièrement, j'ai mu 0, j'ai mu 1,5 et j'ai mu 1. Alors d'abord, de manière tout à fait bêta, entre mu 0 et mu 1, je peux introduire un couplage pi. Petit pi, optimal. Pour le coup, égal d carré. Je peux toujours faire ça, mais là, j'ai complètement oublié la géodésique, je n'ai pas utilisé mon information. Alors maintenant, je vais utiliser juste un peu de la géodésique. Juste un peu de la géodésique avec le point 1,5. Et donc, je vais regarder mu 1,5. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais introduire un couplage optimal 0,1,5 qui va de mu 0 à mu 1,5 et un autre couplage optimal 1,5,1 qui va de mu 1,5 à mu 1. Donc, deux couplages optimaux. Et une fois que j'ai fait ça, je vais en déduire une façon de rabouter, de mettre ensemble, non plus des couples, mais des triplés. Point de départ, point intermédiaire, point final. Et pour cela, couplage optimaux, on les recolle le long de leur marginale commune. Mu 1,5. Alors, comment on fait ça ? Pour cela, on désintègre la première, pi 0,1,5, par rapport à mu 1,5. Et donc, j'ai des mesures conditionnelles, pi 0,1,5
dx sachant y et puis mu 1 demi de dy. Hein, ça, ce sera donc égal à pi 0 1 demi de dx dy. Je note comme ça la désintégration par rapport à la deuxième marginale. Je désintègre pareil pi 1 demi 1 par rapport à mu 1 demi. Donc je vais avoir un truc qui sera pi 1 demi 1 de dy sachant x. Alors j'ai écrit ça plutôt comme ça, dz sachant y mu 1 demi de dy. Et maintenant je recolle les deux le long de mu 1 demi. Et donc je définis pi avec trois indices cette fois, 0, 1 demi, 1, de dx, dy, dz, comme étant pi 0, 1 demi de dx sachant y, mu 1 demi de dy, et pi 1 demi 1 de dz sachant y. Bon. Qui est bien une mesure dans les trois arguments. Ça, ça me fait une mesure sur les triplés. Et une fois que j'ai fait ça, je vérifie que quand cette mesure sur les triplés, j'oublie le point 1,5, je récupère toujours un couplage optimal entre le point de départ et le point final. Et là, il y a un petit raisonnement à écrire en comparant les distances, en utilisant le fait que c'est une géodésique. Et là, ça définit donc une mesure de proba sur des triplés que je vais noter x0, x1,5, x1. Et c'est la première étape de l'approximation de ma géodésique. C'est point de départ, point milieu, point d'arrivée. Et ensuite, je recommence. Je vais couper chacun des deux intervalles en deux, et je vais définir une mesure de proba sur des quintuplés. Donc là, j'avais ça, et puis maintenant, je vais reprendre un truc sur les points intermédiaires, ici et ici, un couplage ici, 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 et je recolle tout. Et je vais recommencer pour construire petit à petit des mesures de probabilité sur des suites de plus en plus longues. Et après, ben, il y aura une opération de passage à la limite où on regardera, si on veut, la limite quand le nombre de points intermédiaires tend vers l'infini et ça nous donnera une mesure sur des chemins. On vérifiera que ces chemins sont automatiquement continus et même Lipschitz. Et on en déduira que c'est une mesure de probabilité sur les géodésiques. Ouais. Là, à 3, ça fait une chaîne de Markov sur les trois éléments. Ça sera aussi vrai sur le... quand on en a plusieurs, quand on en a plus que 3. Oui, oui, tu vas avoir un... on va avoir un passant de... Qu'est-ce qu'on va dire Oui, oui, oui. À chaque fois, disons, la formule d'après, si on veut... je recollerai par rapport à celle-ci, et celle-ci, et celle-ci. Je désintègre celle-ci par rapport à son point d'arrivée. Je désintègre... attends, comment on va faire même on sent... On peut dire... je rajoute de manière... On fait les deux à la fois. J'en avais trois. J'en rajoute, je rajoute deux variables, je désintègre, est-ce qu'il me faut une double désintégration? Ça c'est pas super, donc je dis pas de bêtises, tac tac tac. Là, je voulais revenir, c'est que la mesure produite, un produit de mesure avec un produit de mesure avec deux à deux consécutifs, et ça drôle, ouais. Pas surprenant, mais intéressant de voir que ça fait la mesure qu'on définit une chaîne de Markov sur les triplets x0, x1, x1,5. Alors c'est vraiment ça qu'on fait. On est en train de dire que partant problème de Kantorowicz, c'est partant de x0, comment on le distribue, quoi. Et on le voit comme un... Le Kantorowicz, on peut aussi bien dire pi de dx dy. On peut toujours l'écrire mu0 de dx
fois pi de dy sachant x, juste en désintégrant le pi par rapport à sa première marginale. Et le problème du passage de Kantorowicz à Monge, c'est passer de la chaîne de Markov à l'application. Bon. Et là, c'est pareil, effectivement. On va passer de x0 avec une certaine probabilité à x, donc l'étape suivante, ça sera 1 quart, de x1 quart à x1 demi, de x1 demi à x3 quart, de x3 quart à x1. Et à chaque fois, je vais reprendre la mesure, et c'est pour ça que je suis en train de jouer. Ici, je vais reprendre la mesure 0,1/2, celle-ci, là. Celle-là, je vais la couper en deux, il va y avoir un intervalle. Je vais désintégrer, je vais prendre les deux mesures, je vais refaire la même construction qu'ici, la mesure optimale ici, la mesure optimale là, désintégrer les deux par rapport à leur marginale commune qui là sera mu 1 quart, recoller pour aboutir à un truc qui rajoute un point. Je ne suis pas obligé de le faire de manière dyadique aussi, je peux me contenter de les rajouter un par un, là ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, deux petites remarques pour terminer. Alors, oui, juste un point pour formaliser. Vous allez me dire comment on fait pour passer de l'étape où c'est défini sur des n-uplets à l'étape où c'est défini sur des chemins. Le truc le plus simple, c'est quand vous avez votre n-uplet, de le recoller avec des petits bouts géodésiques arbitrairement. Comme ça, ça vous fait un truc, une mesure qui est définie sur des chemins Lipschitz. Et après, passer à la limite. Alors, et il vous faut donc pour ça, ce que vous pouvez toujours construire, une règle de sélection de géodésique, une règle mesurable de sélection de géodésique qui vous dit, entre x et y, je peux choisir une géodésique de manière qui est juste mesurable. Il y a tous les théorèmes que vous voulez dans les théorèmes de sélection qui vous permettent de faire ça. Alors, les deux remarques. Donc, remarque 1. Cela se généralise à d'autres actions dès qu'il y a une propriété de coercivité et une propriété de reconstruction. Bon, alors qu'est-ce qu'on entend par là ? Votre action, il va y avoir une famille de coups, CST de x à y. Bon, qui correspondra au coût pour transporter au temps S, partant du temps S en x au temps T en y. Et tel que, famille, et puis A, ST de gamma, qui sera tel que CST de, qui seront liés. Tous les deux, tel que d'une part CST de x à y serait égal à l'inf des AEST de gamma sur tous les gamma tels que gamma de S égale x et gamma de T égale y. Et d'autre part AST de gamma est égal au sup pour S égale T0, plus petit que etc., plus petit que Tn égale T, des sommes des C, Ti, Ti plus 1, de gamma Ti, gamma Ti plus 1. Donc ça, c'est la façon de formaliser le fait que à partir des actions, vous retrouvez les coûts, et à partir des
coût, vous retrouvez les actions. Exactement pareil que dans le cas de la longueur. À partir de la longueur des chemins, on déduit les distances. À partir des distances, on déduit les longueurs. Quand vous avez cette propriété-là, et qu'il y a un peu de coercivité, et alors coercivité, ça sera le fait que les chemins existent, que les chemins minimisaux existent, et le fait que quand les points extrémaux sont dans des compacts, alors gamma, les minimiseurs aussi sont dans des compacts, plus l'ensemble des chemins minimisants à valeur, à extrémité dans des compacts fixés et compacts aussi. Hein, si l'ensemble des chemins qui relient deux compacts est compact, alors vous pouvez refaire toute la construction et pareil, définir une interpolation qui correspondra à cette action. Et un exemple très intéressant, c'est quand vous avez une action qui dérive d'un Lagrangien au sens qui est encore là. Donc par exemple, pour ça, pareil, vous avez des courbes minimisantes, mais vous pourrez remonter ça en une action sur l'espace des mesures de probabilité. Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque... Il y aura deux autres remarques, pardon. Donc, remarque 2. Souvent, l'interpolation vérifie des propriétés meilleures que mu0, mu1, et en particulier, par exemple, dans un contexte lisse, avec le coût égal distance au carré, mu t est le transport, on va dire Y, et le point d'arrivée, est automatiquement une fonction Lipschitz du point intermédiaire. Bon, là, c'est pas bien écrit, c'est pas bien dit. Je vais vous le refaire. Si vous voulez, gamma de t associe gamma de 1 et Lipschitz. Ou gamma et où les gamma de t sont les géodésiques apparaissant dans le théorème avec le grand pi, mesure de probabilité sur les gamma. Ou dit encore autrement, quand je regarde ma géodésique mutée et que je vais écrire mu1 comme une mesure par un transport qui va du temps t au temps 1, mesure image mu0, et bien pour t strictement positif, t1 sera Lipschitz. Alors que ce n'est pas vrai que t01 est Lipschitz. En général, le point d'arrivée n'est pas une fonction Lipschitz du point de départ. Et même, là-dedans, il n'y a aucune hypothèse, même sur le problème de Monge. Il pourrait très bien se faire qu'un point de départ donne lieu à plusieurs points d'arrivée. Mais, à partir du moment où je regarde un temps intermédiaire, le point d'arrivée est une fonction Lipschitz du point intermédiaire. Donc, quand on regarde le transport en partant du temps intermédiaire, ça se passe mieux. Et alors, ceci est la base, en tout cas on peut le comprendre comme ça, du théorème dit du graphe Lipschitz, du graphe lipschitzien de Mather.
un théorème qui vous permet de construire des mesures invariantes pour des systèmes dynamiques qui sont donnés comme les courbes intégrales des Lagrangiens comme ça, mesures invariantes qui sont supportées par un espace de dimension n, par un graphe. Et ce graphe, qui est de la forme graphe à chaque x, on associe une vitesse et on regarde toutes ces courbes qui, passant par un point x, vont à cette vitesse-là donnée. Donc la vitesse est une fonction Lipschitz du point x, ça c'est le grand théorème du graphe lipschitzien de Mather. Et ce qui est fondamental derrière, c'est ça, que le transport optimal est une fonction Lipschitz du point intermédiaire. Je vais vous donner une identité dans le cas euclidien qui explique ça. Pourquoi ? Bon. Ben, regardons la quintessence du problème de transport optimal dans Rn, où on envoie juste deux points sur deux points. Donc j'ai x1, x2, et que j'envoie sur y1, y2. Bon. Sans aucune hypothèse sur x1, x2, y1, y2, peut-être qu'il y en a qui sont égaux, on ne sait rien. Et je suppose que le couplage x1, y1, x2, y2 est optimal. C'est-à-dire que x1 moins y1, x1 moins x moins y1 carré plus x2 moins y2 carré est inférieur ou égal à x1 moins y2 carré plus x2 moins y1 carré. On suppose juste ça, donc on a quatre points comme ça. Bon. Et on se demande ce qu'on peut dire des points intermédiaires. Et donc on va poser gamma 1 de t est égal à 1 moins tx1 plus ty1. Bon. Et l'identité, elle dit très exactement ceci. Alors, gamma 1 de t moins gamma 2 de t carré, vous faites les calculs, est égal à 1 moins t carré x1 moins x2 carré plus t carré y1 moins y2 carré plus t1 moins t x1 moins y2 carré plus x2 moins y1 carré moins x1 moins y1 carré, moins x2 moins y2 carré. Et ça, c'est vrai toujours. Quel que soit x1, x2, y1, y2, si vous définissez gamma 1 de t et gamma 2 de t comme ça, c'est toujours vrai. Ah, mais l'hypothèse qu'on a faite ici, c'est exactement ce qu'il faut pour donner un signe à ce qui est dans la parenthèse. Et quand l'hypothèse est vraie, ben, ce machin-là est positif. Donc, ceci est plus petit que ça, ceci est plus petit que ça, et ça implique en particulier, sous l'hypothèse donc, que y1 moins y2 est inférieur ou égal à gamma 1 de t moins gamma 2 de t divisé par t. Et donc, vous voyez bien, dès que t est strictement positif, c'est Lipschitz. Ou pareil, dès que t est strictement plus petit que 1, je pourrais écrire x1 moins x2 comme une fonction Lipschitz de gamma 1 moins gamma 2. Voilà. Alors, on va mentionner aussi que cela reste vrai. Cela reste vrai dès que on travaille en courbure sectionnelle, on travaille avec distance au carré, en courbure sectionnelle positive ou minorée.
courbure sectionnelle minorée. Et l'argument est dû à Petrounine. Alors, quelle implication sur l'interpolation au niveau des mesures? Ben, c'est pareil au niveau des mesures. Dans ce cas, μt est égal à une application Lipschitz mesure image μt0 dès que t0 est compris strictement entre 0 et 1. Ça ne correspond pas, ça donnait le point de départ à la vitesse, non? Ça isole un peu la... Alors... C'est pas de son direction dans ces géodésiques. Non, parce que tu vois, il pourrait très bien se faire que ce soit comme ça. X1 égale Y1 et X2 différent de Y2. Tu as même plusieurs... Alors, évidemment, le fait d'aller, effectivement, de se mettre là, ça veut dire qu'on a sélectionné parmi les différentes vitesses. Et on peut le comprendre effectivement comme ça, en se disant, au départ, ben, j'hésite entre plusieurs vitesses, mais il n'y en a qu'une qui me permet, si je choisis le point qui est là, il n'y en a qu'une qui me permettra d'y aller. Tu avais une autre question ou... Non, c'est ça. C'était ça. Bon. Dernière remarque, remarque 3. Donc là, on a parlé de l'interpolation dans le problème de Kantorowicz classique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait l'interpolation du côté dual? Bon, hein, j'ai mu0. De mu0, je passe à μt. De μt, je passe à mu1. Bon. Quand j'étais de mu0 à mu1, c'était tout encodé par une fonction psi. Bon. Maintenant, si je repars de μt et que je veux aller à mu1, il y aura aussi une fonction psi t hein, qui va, varier au fur et à mesure. Et puis, je peux me demander quelle est la façon dont psi t va évoluer au cours du temps. Et la réponse... c'est que, et de manière extrêmement générale, psi t va évoluer selon une équation de Hamilton-Jacobi. Psi t est solution d'une équation de Hamilton-Jacobi au sens abstrait. Au sens abstrait, c'est-à-dire en définissant à chaque instant psi t comme la solution d'un problème variationnel faisant intervenir le coût. Alors très précisément, il y a deux possibilités. H plus ST psi de Y, on va le définir comme inf sur tous les X des psi de X plus CST de XY. Bon, ça c'est le coût pour aller de X autant T à Y autant S. Et donc, si on veut, l'inf, par exemple, dans le cas qui nous intéresse avec l'action gamma point carré, ça sera l'inf des intégrales de S à T de gamma point carré parmi tous les chemins tels que gamma de S égale X, gamma de T égale Y. Et ça, c'est aussi la même chose que distance de x à y carré divisé par t moins s.
dans le cas de la distance au carré. Et puis, il y aura un autre semi-groupe de Hamilton-Jacobi qui, lui, va dans l'autre sens et qui va être défini par, à partir d'une fonction phi de y sub sur y des phi de y moins cest de xy. Bon. Et en appliquant ces semi-groupes, voilà. Donc si, comment elle marche, comment marche l'opération? Si vous donnez mu0 et mu1 qui sont donnés, et puis qu'il y a μt, interpolation entre les deux. Bon. Et que je regarde entre μs et μt, quel est l'optimum? Eh bien, je vais poser ψs égale le semi-groupe vers l'avant, vers les sens positifs, forward, h0s t, 0s plus psi. Et je vais poser phi t égale h moins 1 t psi c. Alors, psi s phi t est une paire optimale pour le transport entre mu s et mu t. Voilà. Donc, pour aller de mu0 à mu1, j'avais une fonction psi, une fonction phi, due à l'une de l'autre. Si maintenant, au lieu de mu0, je vais à μs, et au lieu de mu1, je vais à μt, ben, je fais avancer la fonction psi par le semi-groupe de Hamilton-Jacobi vers les temps positifs, et je fais reculer la phi par le semi-groupe de Hamilton-Jacobi vers les temps négatifs, et ça reste optimal. Et on va dire que essentiellement c'est un jeu d'écriture d'empiler les inégalités dans les bons sens et de vérifier qu'on reste toujours saturé. Alors l'équation de Hamilton-Jacobi, elle va donc apparaître comme l'outil qui permet de faire l'interpolation au niveau des fonctions scalaires phi, qui sont les fonctions duales dans le problème de Kantorovitch. Et vous vous souvenez qu'on avait un peu parlé de Hamilton-Jacobi dans le chapitre sur la géométrie. Ben voilà, on le retrouve ici en tant que c'est l'équation Hamilton-Jacobi, on peut le définir comme ça, c'est l'équation qui par laquelle vous faites évoluer la fonction phi de telle sorte que les lignes de niveau associé, les lignes gradient associées soient des courbes géodésiques. Et donc, on continue à garder, encodée sous la forme d'une fonction scalaire dépendant du temps, l'information sur toutes les trajectoires. Voilà. Alors, ceci, je l'ai écrit de manière très générale. Comme on se souvient, dans le cas de la fonction distance au carré, équation de Hamilton-Jacobi, d'habitude, on l'écrit d rond t psi plus grad psi carré sur 2 égale 0. Ça, c'est une autre façon de reformuler ça. Il faut faire attention. Selon qu'on veut définir celui qui va vers le sens positif ou celui qui va vers le sens négatif, il faudra interpréter ça de manière différente. Et il y a tout un sujet qui arrive avec ça, c'est quelle est la régularité des solutions des équations de Hamilton-Jacobi quand vous êtes dans un cadre métrique. Ça a été l'une des surprises du sujet que, en général, en gros, tout ce qu'on sait comme résultat de différenciabilité pour l'équation Hamilton-Jacobi classique dans Rn, ça reste vrai dans un cadre beaucoup plus général. Voilà. Écoutez, là, on a fait en 3 séances ce que je comptais faire en 2, ce qui n'est pas si mal. Par rapport en termes de perte. Donc là, on a revu tout ce qu'on a besoin de savoir sur le transport optimal
pour avancer. Le chapitre suivant, on va s'intéresser au fonctionnel sur les mesures de probabilité, entropie et ce qui va avec, des fonctionnels qui seront des puissances non linéaires. Là, on a vu tout ce qui est tout ce qui correspond à géométrie du transport optimal. On a parlé d'interpolation, comment est-ce qu'on résout le problème de Monge, à quoi ressemble le transport, à quoi ressemble le coût, qu'est-ce qu'on peut dire en fonction de la distance. Oui, il y a un truc que je n'ai pas dit. J'ai dit que c'est un espace métrique, l'espace avec la WP. En gros, c'est la topologie faible des mesures qui est maîtrisée par cette distance-là, avec juste des subtilités à l'infini. C'est une topologie qui est juste un peu plus forte que la topologie faible dans le traitement de l'infini. Et voilà, là on en sait tout ce qu'il faut en termes géométriques et fonctionnels, disons, sur le transport optimal. Chapitre d'après, on va s'intéresser aux fonctionnels des probabilités, des mesures de probabilité. D'autres questions ? On est OK ? Ouais. Il suffit que j'ai rien oublié.